Bonsoir. Si vous êtes prêts, on va démarrer. La plus belle fille du village se nomme Suzanne. Elle a 17 ans. Porcelaine aux yeux gris, aux cheveux doux comme de la loutre, elle est la cadette du paysan le plus aimé de la communauté. Tous veulent l'épouser. Mais Suzanne ne regarde personne. Se consacre aux travaux de broderie, aux tâches ingrates de la ferme et surtout aux troupeaux de brebis qu'elle conduit paître dans les hauteurs dès que les renoncules et la gentiane fleurissent. C'est bientôt l'été et à l'aube, Suzanne s'en va mener ses bêtes, empruntant les chemins escarpés et sinueux, les sentiers rocailleux qu'elle connaît par cœur maintenant, qu'elle grimpe les yeux fermés, suivie par ses 50 agneaux de lait, une procession adorable et agile. Et bien sûr, elle chantonne, vêtue d'un tablier de gros draps de lin et couverte d'un chapeau de paille. Mais un soir, Suzanne ne rentre pas. On attend un peu, on s'inquiète, de plus en plus, et à minuit, on décide d'entamer les recherches. Le père et quelques hommes munis de lances, de fusils et de lanternes. Rien. Le lendemain matin, rien non plus. Le surlendemain, chou blanc. Les recherches restent vaines, le mystère s'épaissit. Suzanne n'a pas été attaquée par un loup puisqu'on retrouve l'intégralité du troupeau indemne. Pas le moindre agneau dévoré ou même blessé. L'hypothèse lupine écartée, où est passée Suzanne? Enfuie avec un amant? Personne n'y croit. Une fugue adolescente? Pas le genre. Un rôdeur, un détrousseur? Peu crédible. Si Suzanne n'est pas rentrée ce soir-là, c'est qu'elle a rencontré l'ours. Un ours brun de près de 3 mètres, un lutteur trapu et massif, un monstre de robustesse. Un torse, un dos, des pectoraux extraordinairement développés qui lui permettent de porter des charges plus lourdes que lui, de déplacer des blocs de pierre, de briser des troncs d'arbres et de tuer un homme d'un seul coup de griffe. Une nuque épaisse et musculeuse qui porte une tête ronde, si petite par rapport à son buste. Des oreilles duveteuses et courtes, un mufle allongé, une truffe d'un noir mat, des yeux enfoncés et rapprochés. Mais une gueule redoutable, des muscles masticateurs et temporaux puissants, des incisives comme des pinces, des canines aiguisées en forme de poignard pour lacérer et déchirer ses proies, des molaires pour broyer. Voilà la bête qui se présente devant Suzanne, s'avançant d'un pas feutré, tête basse et gueule entrouverte. L'ours, que rien n'effraie, résistant à toutes les intempéries du corps et du ciel. Fatigue, neige, vent et foudre glissent sur son pelage dense d'un brun soyeux parcouru de reflets mauves. L'ours a humé les effluves des agneaux et capté leurs pas à plus de 200 mètres. Torsion du nez, oreille qui pivote. Il a marché placidement jusqu'à la colonie. C'est d'abord une ombre immense qui s'abat sur la silhouette gracile de Suzanne déjeunant sur un rocher plat. Une ombre glaçante qui masque le soleil et pétrifie la nature. L'ours de 300 kilos s'est approché sans bruit, léger comme une plume. Suzanne a senti le froid, a senti l'obscurité, puis l'a entendu tout sauter et souffler, a relevé la tête et a vu la bête dressée sur ses pattes arrière, lèvres supérieures décollées, son regard à bout portant, ses yeux étincelants ronds comme des billes, fichés dans les siens. D'abord incrédule, puis prise d'une panique qui n'a pas le temps de s'épancher, de se muer en cris. Alors que l'ours, négligeant le troupeau, s'empare de Suzanne, la saisit à la taille, puis la jette sur son épaule avant de prendre la fuite quand personne ne le poursuit. Parcourant 2000 mètres à une vitesse de 50 km/h, l'ours atteint son refuge en un peu plus de 2 minutes. La grotte de l'ours, tanière nichée à flanc de montagne. Une cavité fraîche et profonde, au sol argileux, maculé d'empreintes, aux parois constellées de touffes de poils et de griffures profondes, scarification de la roche qui attire d'abord l'attention de Suzanne, raidie par la peur. Mains bleuies, aux doigts rétractés, cernes cendrées, joues creusées, teint poussiéreux, le printemps a déserté son corps. Siphonné d'un coup par la terreur, bouche sèche comme le foin, haleine de rats crevés, cœur coulé dans l'ésophage qui tambourine à vide, tous ses membres tétanisés, la pupille dilatée par l'obscurité et une seule pensée, je vais mourir. L'ours pose Suzanne à terre, immobile et mutique, avec d'infinies précautions. La déshabille lentement, dégrafant son corsage de ses griffes habiles, ôtant ses sabots, dénouant sa tresse, puis la viole en position du missionnaire.
Suzanne serre les poings, ferme les yeux, s'absente de sa propre existence, il n'y a rien d'autre à faire. Suzanne s'évanouit, l'ours allait encore quelques minutes au-dessus d'elle, veillant cependant à ne pas l'écraser de tout son poids. Les mouvements de son bassin soulèvent la proie comme un fétu de paille, un pantin de chiffon. Il râle, se laisse tomber sur le côté, puis entreprend de ranimer Suzanne en léchant tout son corps avec la vigueur de sa grosse langue râpeuse, de la plante des pieds au front, parcelle de chair après parcelle de chair. Il la réchauffe en soufflant sur son ventre, la retourne pour caresser son dos, renifle sa nuque, masse ses doigts. Suzanne s'extrait lentement de son coma. L'ours lui aménage une couche de lichen et de bruyère au fond de l'antre, puis la porte jusqu'à son lit. Il la veille toute la nuit et la retiendra prisonnière pendant 3 ans, la violant régulièrement. L'habitude de crier 4 ou 5 fois par jour, par séquence de quelques minutes, autant pour garder sa voix et un peu d'énergie que pour attirer l'attention d'un hypothétique promeneur, crie cette fois au bon moment. Le bûcheron répond à ce cri, crie à son tour, et guidé par la voix de Suzanne, avance jusqu'à l'entrée de la grotte où il tente enfin de déplacer l'énorme rocher. Il promet de revenir plus vite avec des renforts. Suzanne le supplie d'être de retour avant le crépuscule. Le sauvetage a lieu le jour même grâce à 10 bûcherons munis de cordes qui parviennent à déplacer de quelques dizaines de centimètres le rocher et Suzanne se glisse hors du piège. Le spectacle qui s'offre alors est stupéfiant. Une femme sauvage, voûtée, nue mais chaussée de sabots, couverte d'une épaisse croûte de boue comme un manteau terrestre qui aurait sédimenté à même sa peau, à la chevelure abondante et entortillée autour de ses bras, de sa taille, de ses jambes et jusqu'aux chevilles. Des mains écorchées aux ongles longs et recourbés, un regard d'acier sur un visage pigmenté par le granit, dégageant une odeur de fruits pourris et de sève. Elle est silencieuse, hésitante, avance vers les chasseurs en boitant, à tâtons, aveuglés et exsangues, une larme au coin de l'œil qui ne se décide pas à perler, un mot qui ne vient pas, les lèvres qui tremblent. Elle avance encore, et les hommes sidérés découvrent alors qu'à ses côtés se tient sur ses jambes un enfant. Se tient sur ses pattes un enfant ours, mi-homme, mi-bête, au visage rose, poupin et lisse, des pommettes, un nez et des yeux d'ange, cerclés d'une fourrure légère comme de la mousse. Petit garçon dodu et voûté, musclé et épais, couvert de poils au reflet roux, qui saisit la main de sa mère et gémit.
reçue, l'accueil n'est pas aussi chaleureux qu'espéré. Suzanne, apathique, crasseuse, effrayante, a perdu ses bonnes manières, sa joie de vivre, une partie de sa beauté, de son élocution. Et l'enfant est un monstre sur lequel on n'ose même pas poser le regard. La famille ne leur propose pas de prendre un bain, le père n'offre même pas un quignon de pain. Et repoussant violemment Suzanne de sa canne, il sort en hâte de la maison, court alerter le curé et le médecin. Une folle, une possédée, une sorcière. Une folle, doublée d'une sorcière, qui a couché avec un ours. Une créature du diable enchaînée à ses instincts les plus vils. Une déréglée sexuelle qui copule avec les bêtes et pervertit la marche du monde. Une tarée. C'est ainsi que la regardent tous les villageois qui la lapideraient bien si le curé ne la traînait pas sur la place centrale afin de procéder à un exorcisme public. La foulant aux pieds, il annonce des formules secrètes, la fouette avec des branches de pin et de houx, brûle son sexe au tison. Et Suzanne, inerte à nouveau, gît sans un mot, sans un geste, tandis que l'enfant ours se cache les yeux et que l'excitation de la foule grandit. Dans l'obscurité juste éclairée par les torches des spectateurs accourus en nombre, tirés de leur lit par la rumeur, personne, pas même les chasseurs-sauveteurs ralliés à la haine collective, ne prend en pitié le petit garçon velu qui reste seul, à l'écart, perdu. La mère et son fils sont jetés dans une étable jusqu'au lever du jour. Et le lendemain, un tribunal hâtif, présidé par le curé exorciste, décide du sort de Suzanne, envoyée au couvent pour le reste de ses jours, libérée pour être enfermée une seconde fois. Nul besoin de recourir à la force pour la faire monter dans la carriole qui doit l'emmener chez les sœurs. Suzanne a renoncé à tout. À la vie, à son fils qu'on lui ôte deux bras qui déjà ne le porte plus. L'enfant ours sanglote en pure perte, sans provoquer la moindre réaction chez sa mère. Petit homme sans avenir, drôle de bête qui pleure dans le vide. De moi, on ne sait que faire. On n'a pas le cœur de me tuer. Le tribunal ne prononce aucune sentence à mon égard. Alors on me garde quelque temps au presbytère où je passe mes journées allongée dans un petit lit à barreaux à fixer le plafond constellé de moisissures, avec pour seule distraction la visite quotidienne d'une paysanne revêche qui me nourrit de peau de crème. Puis on me vend un montreur d'ours, le premier qui passe dans le village, un de ces hommes qui du début du printemps à la fin de l'automne sillonne la région pour exhiber l'animal déchu, ravalé au rang de bête de foire. Nous avons traversé des collines et des vallées, la grêle et des étés aveuglants, parcourus en roulotte et parfois à pied les chemins les plus hostiles, fait halte dans tous les villages qui se trouvaient sur notre passage, récolté toujours de quoi vivre et continuer la route. Je n'ai jamais été malade ni blessée. Je me suis nourrie sans rechigner de fruits, de graines et de lapins écorchés. Nous ne nous sommes pas disputés. Nous formions un duo efficace, un bon attelage, un monde. Nous avons connu le succès, très peu de déconvenues. Nous avons cohabité à l'arrière de la roulotte. Dresseur aimable et taciturne, sans attache, sans famille, sans joie ni peine, et ours talentueux, docile et secret. Puis nos pas nous ont menés jusqu'aux portes de la grande ville, au bout de la plus longue route pierreuse que nous ayons empruntée pendant ces années de battage.
le montreur d'ours me revend sur le port à un négociant missionné pour remplir la cale d'un navire. Je vais connaître l'océan, moi qui n'ai nulle part où aller, qui ne sais plus ni les forêts ni les montagnes. En un éclair, ma chaîne est passée de la main familière de l'ours allié à une nouvelle main. J'ai vu transiter quelques billets accompagnés d'une accolade et d'un bon courage, peut-être ironique. On m'a tendu des biscuits et un seau d'eau, on m'a rapidement inspecté, soulevé la lèvre supérieure à l'aide d'une longue tige de métal, fait lever les pattes et rouler sur le dos, puis on m'a déclaré apte. J'allais marcher sur l'eau, laisser la terre derrière moi, acculé par une nouvelle décision arbitraire des hommes, une nouvelle impulsion de cette force qui semble me conduire au hasard dans l'immensité du monde. Un matin clair, nous levons l'ancre. Et alors que le bateau quitte le port sous les encouragements de ceux restés à terre, j'imagine les joies de la navigation, une vie d'aventure dans les hauteurs de l'océan. En réalité, je comprends vite que la mer n'est pas cet horizon serein que j'admirais couché sur le pont du navire. La mer n'est pas faite pour nous. L'ambiance pacifiée et insouciante qui régnait au port vit rapidement au cauchemar. La situation se retourne, mon paradis devient un enfer alors que les côtes disparaissent derrière nous, que la mer mouvante et incertaine, paysage réduit à une plaine d'eau sans fin, envahit tout l'espace. Et nous ne reconnaissons plus rien. Furtif devient un ample mouvement de l'eau sous la coque. Le monde perd toute stabilité, l'air forme des tourbillons imprévisibles et le mal de mer ne tarde pas à gagner les bêtes les unes après les autres. La traversée s'annonce éprouvante, nous n'avons pas le pied marin. Je pressens une catastrophe et me demande déjà quelle sera son ampleur. Je vomis les quelques baies qui ont constitué mon repas du matin, puis une bile de plus en plus grise. L'éléphant se couche, sa trompe battant furieusement le pont. Les singes, enfermés dans des cages à la soute, se jettent contre les barreaux en couinant. Les lamas sifflent et montrent les dents. L'hippopotame ne bouge plus, statufié. Et en quelques minutes, les matelots ne savent plus où donner de la tête. Il faut nettoyer tout ce que nous recrachons et tenter d'apaiser les animaux par des paroles inaudibles et sans effet. Nous ne serons bientôt plus qu'une cargaison de bêtes colonisées par les froids, condamnées à vivre ensemble dans la pire promiscuité pendant d'interminables semaines de navigation. Dans une cacophonie monstrueuse et permanente, faite de chants d'oiseaux déglingués et de vagissements désespérés. Une nuit est particulièrement désastreuse. Une nuit de tempête qui engloutit de nombreux animaux et tue sur le coup un soigneur, écrasé par un cheval qu'une vague immense soulève comme une botte de paille. Une nuit dont je me souviens avec tant de clarté qu'il me semble la revivre chaque fois que le temps vire à l'orage. Je me suis réfugié en rampant à l'avant du bateau, puis ligoté avec un cordage relié à une poulie pour ne pas être éjecté par une déferlante. Roulé en boule, je sens l'orage glisser sur mes flancs. Les paquets d'eau ne transpercent pas ma fourrure, mais leur poids me plaque au sol. La foudre brûle ma queue. Mon nez intercepte l'odeur acide de la panique qu'exude tout l'équipage. Je me demande si l'apocalypse est arrivée jusqu'à nous qui pourtant sommes innocents. Je n'imaginais pas que la nature puisse produire de tels débordements. Bêtes et hommes qui valent dingue. Le fracas du vent masque les cris de terreur.
Les cages se brisent, laissant échapper les animaux qui se retrouvent projetés les uns contre les autres. La tempête s'acharne. Ils ripent sur le pont à la verticale, leurs griffes n'adhèrent plus, le bois se lacère d'entailles profondes et désespérées, la cargaison tout entière a perdu l'équilibre et les hommes ont déserté. Les bêtes meurent, seules, assommées, étouffées, noyées ou de peur. Et même la girafe passe par-dessus bord, tête la première, après s'être étranglée avec la drisse de grand voile, aspirée en quelques secondes par un trou noir. Pour retrouver ses esprits et désinfecter les plaies des bêtes qui ont survécu. Certains matelots, pleins de compassion, enlacent la tête d'un animal, la bercent doucement en sifflant une comptine ou une chanson à boire, autant pour apaiser l'animal qu'eux-mêmes. L'un d'eux est blessé, griffé à la gorge par un lionceau qui se débat, affolé par cette tendresse malvenue, et le matelot se met à pleurer, de dégoût et de tristesse. Au vacarme du ciel a succédé un silence de plomb, qui engourdit l'océan, le bateau et tous ses passagers. L'eau est fixe et trouble comme du sirop, pas un souffle d'air. Ciel d'un bleu morne et désespérant, hypnotique, on manquera bientôt d'eau et de vivres. Les matelots sont éreintés, les bêtes apathiques. Il se pourrait que personne n'arrive en vie de l'autre côté de la mer. Je ne quitte plus l'avant du bateau où je m'étais réfugié. Le regard coulé sur l'horizon, espérant qu'un morceau de continent surgisse, une délivrance quelconque, qu'on en finisse en tout cas. Et 3 jours plus tard, un air marin souffle enfin. La surface de l'eau se remet en mouvement, des nuages blancs pigmentent le ciel, et les bêtes s'agitent, nerveuses et impatientes. Des coups de sabots sur le pont, des corps pelés qui viennent se frotter aux mâts, des têtes qui cherchent et reniflent, des spasmes le long des crinières. Les premières odeurs de végétation et de charbon parviennent à nos mufles sensibles. Et dès le lendemain, le cri de joie de la vigie terre en vue. Les hurrahs de l'équipage qui se jettent au cou des bêtes sans force. Au loin, on aperçoit maintenant des rubans de fumée, des navires qui se croisent et accostent, un paysage à la végétation rase, une nature de bosquets épars d'un vert pétrole, une succession de longs bâtiments en toit plat. On devine à nouveau l'activité intense des ports, êtres humains qui s'affairent, flux de consommation et de troc. Le dompteur du cirque, un ancien commis de ferme, a dressé dans sa jeunesse les animaux les plus colériques. Vaches révoltées, chevaux furieux, taureaux intraitables, mais aussi des loups capturés à l'occasion de battues qu'ils assouplissaient de sa voix ferme et chaude.
Il est réputé pour travailler à la fois en férocité et en douceur avec ses bêtes, alternant numéros de soumission et de complicité. Je suis avec lui dans la cage, et alors qu'il me fait jongler avec des boulets de canon fouettant la piste de sa chambrière, il se prend la jambe dans la lanière de cuir, perd l'équilibre, s'étale à mes pieds sans un cri. Aussi surpris et désemparé que lui, je laisse retomber les boules de fonte qui se fichent dans le sable avec un bruit sourd et menaçant. Une onde de panique parcourt l'assemblée. Le dompteur gît maintenant sur le dos, silencieux et immobile. Seule sa cage thoracique se soulève à une cadence infernale, se gonflant et se dégonflant comme une baudruche. Il est pâle et gris, ses yeux immenses, la pupille dilatée, sa salive forme une mousse épaisse aux commissures des lèvres. Son corps suinte l'angoisse et on n'entend plus que le sifflement de sa respiration affolée. Des spectateurs changés en pierre n'émanent aucun son. Temps suspendu, ciel refermé, plus âme qui vive. Le dompteur ne se relève toujours pas, ne tente aucun geste. Est-ce qu'il attend ma mort ? Je me tiens à quelques mètres de lui, affalé sur mes quatre pattes. Je l'observe comme une mouche sur un mur. Dans le public, une femme se mord la lèvre et une autre est secouée de frissons. Un homme dans l'expectative lisse l'extrémité de sa moustache tandis qu'un autre grince des dents. Un enfant hoquette et sa sœur ferme les yeux. Je contemple le dompteur avec méfiance et curiosité. À vrai dire, je ne sais pas très bien quoi faire de la situation. Jusqu'à ce que le goût du sang me revienne au babines et à l'esprit comme une injection d'adrénaline, et que mes poils se dressent sur mon cuir chargé de poison. Je fais un pas, puis deux. Public figé. Encore un pas, et je viens m'asseoir à côté du dompteur. Sans le quitter du regard, je pose une patte sur son ventre. Je la sens qui s'enfonce, lourde dans sa chair, ses intestins qui palpitent, sa respiration qui se bloque. Il suffoque, mais se tient toujours immobile. Il a baissé les yeux. On dirait qu'il marmonne quelque chose, une prière approximative et sourde. Je sens son corps se raidir, le poids de ma patte qui l'écrase. Je tourne la tête vers les spectateurs, les feux de la rampe m'éblouissent, je cligne des yeux, secoue la tête, émets un grognement, et cette fois une clameur monte dans la foule, enfle et s'étend. Mouvement de panique, vocifération, appel au secours, chaise qui tombe, enfant qui pleure, femme qui trébuche. Quelques applaudissements aussi, des sifflements admiratifs, un cri d'encouragement. Pour moi ou pour le dresseur ? Je décide de jouer un peu avec ma proie, désormais résignée et inerte comme un sac de sable. Je l'agace, la tourmente, la fais rouler sur le flanc à coups de pattes et de museau. Je danse autour d'elle comme autour d'une dépouille. Je mordis ses vêtements, je l'effleure de mes griffes. Je décide de le saigner un peu. Je tourne maintenant le dos au public qui, frustré et terrifié de ne plus voir, proteste et hurle de plus belle. Un homme crie que j'ai quelque chose dans la gueule, peut-être la tête du dompteur. Une femme demande qu'on me tue sur le champ, qu'on m'abatte, et qu'est-ce qu'on attend ? La cage s'ouvre et trois hommes armés d'un fusil, d'une fourche et d'une barre de fer entrent. Je lâche ma proie et recule, viens me coller le dos au barreau. Il me menace à distance. À terre, l'ours ! Je me couche. Le jeu est terminé, le goût du sang reflue, mes griffes se rétractent, ma fourrure retrouve sa douceur moirée, ma langue s'assèche de sa bave acide. Pendant que l'un me tient en joue, les deux autres relèvent le dompteur dont le corps s'est vidé de toute énergie. De sa joue gauche pend un lambeau de chair. Une partie de son cou est à vif. Soutenu par les deux hommes, ses jambes ne le portent plus, mais il sait qu'un dresseur ne doit pas sortir de la cage sans avoir rétabli son autorité. Demande donc qu'on le traîne jusqu'à moi, ordonne à voix basse qu'on glisse le fouet dans son poing ensanglanté, et dans un dernier sursaut nerveux et vengeur, me cingle le ventre en poussant un cri de soulagement. Et c'est un tonnerre de bravo. Une femme s'évanouit enfin, après s'être assurée que le spectacle était tout à fait terminé. On l'évacue sur une civière. On presse le public vers la sortie qui se tord le cou pour en voir encore un peu, un ultime rebondissement peut-être. Et dans la foule, maintenant clairsemée, une voix s'élève, sonore et dépitée. Moi, j'étais pour l'ours. We'll be right back.
bêtes, bien plus que les hommes que l'on vient contempler, à moins que les hommes ne soient des bêtes. Notre cirque, dont la réputation s'étend jusqu'à devenir l'attraction incontournable de toute une région, s'agrandit à mesure de son succès. De nouvelles roulottes font leur apparition sur le campement, des tentes et des baraquements supplémentaires sont dressés, et le panneau coloré annonçant l'extraordinaire ménagerie est maintenant surmonté d'une seconde réclame vantant les mérites de la galerie des phénomènes. Une certaine effervescence s'est emparée du cirque, une excitation que je ne sais pas encore décoder, pas plus que je n'imagine à quoi ressemblent ces phénomènes, ce qui peut bien les distinguer de nous. Mais ce que je vais découvrir changera effectivement le cours des choses, celui de mon existence. Ce que je vais découvrir et que je ne soupçonnais pas est un outre-monde fascinant, le revers noir de la piste du cirque, la face maléfique de nos divertissements. Je découvre, rassemblée à l'arrière de notre campement, une communauté d'êtres inouïs et de créatures diaboliques, qui attireront un public encore plus nombreux et feront de notre cirque le plus populaire du pays. Désormais, la nature tout entière est visible sous notre chapiteau, et deux mondes se côtoient sur l'immense terrain où s'est sédentarisé le cirque. Deux mondes séparés par une simple bande herbeuse, quelques mètres de terre et une baraque à frites, dont l'odeur irrésistible, grasse et salée, m'attire comme un appât. Le cirque traditionnel d'un côté, bêtes et saltimbanques, la galerie des phénomènes de l'autre, monstres et curiosités. Mes promenades quotidiennes bifurquent maintenant vers ces mauvais présages, ces merveilles, ces miracles, et je mendie un cornet de patates chaudes au passage. On me laisse déambuler tranquillement comme un membre de la troupe, un élément du décor. Ici, rien n'étonne. Aucun être vivant, aussi curieux soit-il, n'attire l'attention. Nous sommes tous des rebuts de la nature, nés d'un orage, de l'accouplement d'une sorcière et d'un ange. À mesure que je m'enfonce dans les dédales de la galerie, surgissent sous mes yeux une multitude de personnages prodigieux qui me mettent en joie. L'ambiance est festive, chaleureuse et bruyante. Je me fonds dans ce peuple de l'extraordinaire et j'observe. Le bonimenteur, petit homme vêtu d'un frac, alpague les passants faussement sceptiques pour les convaincre de passer le rideau en échange de quelques pièces ou d'un billet. Derrière ce rideau, sur des estrades, dans des boîtes noires dissimulées par des paravents, se tiennent des êtres au crâne hypertrophié, couverts de poils, poussant des cris rauques ou miaulant comme des chatons. Un singe à cinq pieds, Jojo, le garçon russe à tête de chien, un porc cyclope, un enfant resté 32 ans dans le ventre de sa mère, toutes sortes de nains et de lilliputiens, Belkacem, l'homme éléphant dont les dents immenses remontent comme des défenses sur ses lèvres charnues, un jeune homme à la pigmentation irrégulière nommé le garçon léopard, la fillette à peau d'alligator, l'enfant phoque, Marianne, la femme la plus laide du monde dont les os du visage semblent vouloir percer sa peau, Pipo et Flippo, les têtes d'épingle, les Siamois Chang et Cheng, soudés par la hanche, accompagnés des deux sœurs qu'ils ont épousées et de leurs 21 enfants, et la sirène empaillée des îles Fidji. Au zoo, j'ai intégré le secteur des ursidés, qui rassemble un grand panda, deux ours à lunettes, une famille d'ours des cocotiers, un vieil ours lipu et quelques ours polaires. Je n'imaginais pas connaître un jour un tel isolement. Et les premières nuits, abattues et sans perspective, seul un rat aux pupilles rouges sut me divertir et me soutenir. Je m'accrochais désespérément à ce rat, à cette vie égarée sous mes yeux, à ce mouvement secret dans l'obscurité, à ce corps chaud, animé, dans lequel bat un organe, pulse du sang. Je jetais toutes mes forces et tout mon espoir dans l'attente de cette bête rampante qui me reliait au dehors, signalait un ailleurs. Et quand je le voyais explorer à la nuit tombée ce décor de montagne en carton-pâte, qui m'enfermait aussi sûrement que de hautes murailles, je pensais alors que nous étions deux, enfin deux, au moins deux. Un rat miraculeux, venu en contrebande des sous-sols de la ville, à la recherche de nourriture plutôt que d'amitié, mais cela me suffisait. Le dernier animal à pouvoir ici arpenter les lieux, le dernier que l'on aurait pu traquer en suivant la ligne de ses empreintes, les balises de son passage furtif. Il surgissait du cachet et y retournait. Il faisait éruption et fuyait aussitôt. Il apparaissait et disparaissait, avalé par l'espace noir de la nuit. Il esquivait, évitait les obstacles invisibles qui étaient des prédateurs absents. Je le voyais passer précipitamment dans un sens puis dans l'autre, insensible à ma présence, à mon parfum, à mes grognements et à mes coups de patte assassins.
les rats que plus rien ne trouble, car elles ont tout vu, tout connu, les déchetteries et les laboratoires. Ils ont transmis la rage, proliféré dans les égouts, testé tous les vaccins et toutes les drogues, inhalé les pires vapeurs d'alcool et des milliers de cigarettes, arpenté des kilomètres de couloirs, de labyrinthes expérimentaux et de tunnels de bidonvilles, sombré dans l'apathie et l'hyperactivité. Les hommes leur auront tout fait. Et ce n'est pas un ours, son odeur violente dans l'écorce d'un tronc mort qui va les impressionner. Au fond de cette fosse, le rat est mon unique compagnon, mon avenir et mon maître. Ici, le rat libre et rusé me domine, je ne lui fais pas peur. C'est moi qui ai besoin de lui, il est tout ce qui me reste. Je suis attendrissant, débonnaire, mais néanmoins dangereux, indique le cartel vissé à la rambarde. On se porte donc à mon chevet, on commente à haute voix ma stature, ma couleur, la qualité de mes déplacements. On émet une série d'hypothèses et de suppositions hâtives sur mon tempérament, mes dispositions psychologiques et l'état de mes sentiments. On interprète mon regard, on suppose que ces yeux-là, ronds comme des myrtilles, noirs et brillants comme du pétrole, disent l'appétit, la cruauté, la sagesse, la perplexité, la peine ou l'innocence. Ils ne disent rien de définitif, sinon que je vous vois. Dans cet isolement, je vais cependant découvrir une faille, un passage vers l'extérieur, un tunnel autant qu'un fil tendu dans les airs. Je vais découvrir que le monde étanche et retiré du zoo peut se révéler poreux. C'est à la faveur de l'obscurité que ce monde s'ouvre, que notre solitude se peuple, qu'un comité invisible donne de la voix. Qu'ombre le jour, nous retrouvons un peu de notre existence et de notre épaisseur la nuit. Quand le soir est tombé et que tous sont désertés, portes closes, billetterie fermée, lampadaires éteints, gardiens couchés, lune haute et poussière dissipée, le zoo frémit et s'anime. Soudain traversé de galeries souterraines par lesquelles nous communiquons à grande vitesse, par lesquelles les messages filent comme à la surface d'un lac endormi. La première nuit, ce fut un choc extraordinaire. Il faut attendre le noir complet, infiltré dans chaque repli du ciel. Il faut attendre les étoiles comme des signaux. La voie est libre. Le silence nous saisit, épais, figé comme de la glace, un manteau de silence qui nous emprisonne aussi sûrement que la banquise. Ce silence comme une profonde inspiration avant le cri. Il dure peut-être quelques secondes ou de longues minutes, le temps d'un saut dans le vide. C'est un silence qui chute autant qu'il s'élève. Le silence de centaines de bêtes immobiles qui se sont tues et qui attendent leur heure, qui guettent une proie indétectable et inaccessible, privées de mouvement mais prêtes à bondir. C'est le silence d'avant l'attaque, d'avant la guerre. Un silence dans lequel je tente de capturer un bruit aussi infime soit-il, un craquement, un frémissement. Je tends l'oreille qui se gonfle de sang, mais rien, à part le tam-tam de ma respiration, le claquement humide de ma langue contre mes babines, je n'entends que mon corps prêt à expulser son chant. Il y a donc le noir et le silence, un monde suspendu, avant que s'élève une clameur phénoménale, que d'un seul mouvement, dans une synchronie parfaite, nous nous manifestions les uns aux autres, basculant ensemble, gueule ouverte, poumons vidés, du lézard à la girafe, sans que rien ni personne ne semble avoir donné de signal de départ. Sur le silence rebondit maintenant balle de caoutchouc contre un mur, écho contre une vallée, une multitude de voix et de vagissements, et la nuit s'emplit de cette musique. Les animaux se parlent, l'air crépite de mille fréquences qui se fichent en moi comme des épines. Je me résorbe dans cette obscurité sonore, j'oublie d'où je viens et la bête prolifère. Elle occupe à cet instant tout mon être, et c'est un soulagement. Quand le jour décline, nous reprenons enfin la main. La nuit n'est pas un temps, mais un espace que nous emplissons de nos cris. Nous sommes sa bande son puissante, jamais aussi présent que fondu au noir, quand les hommes ne nous voient plus, quand nous nous dérobons enfin à leur regard qui capte si mal nos existences. Nos corps sont des sondes plongées dans un monde opaque. Nous parlons notre langue secrète. Et si un homme, gardien ou visiteur, s'égarait à cet instant dans les allées du zoo, on le retrouverait à genoux, tête entre les mains, affolé par ces paroles insensées, cette explosion de fureur. Et si les yeux infrarouges des reptiles pivotaient dans sa direction, vers la proie à sang chaud qui darde ses rayons invisibles, si le cri strident du Tcheko donnait l'alerte, l'homme cette fois hurlerait de terreur. Et plus fort encore, s'il voyait, entendait, percevait ce que nous voyons, entendons, percevons et qui n'est pas humain.
s'il voyait ces centaines de regards phosphorescents déchirer l'obscurité, s'il entendait le bruit des fourmis creusant des tunnels, s'il percevait ce qui se passe dans les arbres et à ras du sol, s'il devinait tout ce que nous devinons de minuscules présences, s'il palpait ce que nous palpons, le temps qui virera bientôt à l'orage, s'il flairait ce que nous flairons, l'odeur de la mort qui s'annonce. S'il était traversé en continu de séquences sonores et de nuages d'odeurs qui déforment et contaminent le monde tel des fantômes, l'homme serait mis à rude épreuve, jeté en pâture sur une scène ouverte à tous les vents. Je ne compte plus les hivers qui se succèdent, mais celui-ci est rude. Les visiteurs se font rares, les bêtes grelottent, recroquevillées sous de fines couvertures de végétaux morts, et les plus fragiles sont mis à l'abri dans des cabanes chauffées. Les soigneurs ont hésité à me rentrer, préoccupés par ma santé qu'ils jugent précaire. Je vois l'inquiétude dans leurs regards et leurs gestes précautionneux, dans leurs paroles atténuées. Je suis fatiguée, amère et diminuée. Mais ma fourrure qui a épaissi à la fin de l'été repoussa encore les assauts du froid. Pas un flocon ne la pénètre, pas un frisson n'effleure mes poils. Je passe mes journées assis contre le même tronc d'arbre et pour occuper ces longues heures, je suce les feuilles mortes couvertes de givre. Je laisse fondre sur ma langue la gelée désaltérante. Tout est calme. J'ai le sentiment d'être la dernière bête de ce zoo, la seule encore en vie. Aucun cri animal ne vient entailler l'atmosphère. On entend amplifié par l'air cristallin que la voix des gardiens au loin, des bruits de clés et de grilles qu'on referme. C'est alors que levant la tête vers le soleil radieux des lendemains de neige, je l'aperçois. Je me lève pour l'écouter. Elle s'exprime longuement d'une traite, sans reprendre son souffle, un monologue pressé et fervent. Elle dit « Je m'appelle Esther. J'ai 50 ans, je suis légèrement myope mais j'ai l'oreille absolue. J'aime le vin et le goût de la viande rouge. Que te dire pour me présenter ? Si ce n'est que j'ai les pieds plats, des cheveux fins, un nez busqué, je boite un peu à cause d'une maladie infantile mal soignée. Sinon, je travaille dans une imprimerie à l'atelier de typographie et je vis dans une petite maison blanche au bout d'une impasse avec un homme un peu plus jeune que moi qui est ébéniste. On s'aime et on aime notre vie. Je suis plutôt d'un naturel inquiet, mais curieux aussi. Et je me demande ce que cela fait d'être un ours. Je voudrais savoir. Il me semble que les animaux, surtout les ours, les singes et les autruches, me narguent, me provoquent. Mais je vous ai toujours regardé comme des êtres merveilleux. Et j'envie ces femmes qui ont vécu en pleine nature avec des bêtes, qui ont adopté leur langage, leur mode de vie et leur code. Je sais bien que certaines en sont mortes, dévorées par leurs compagnons. Mais d'autres ont réussi, ont partagé. Je me demande ce que ça fait de faire la bête. Tu vois, je suis un peu fatiguée. On se fatigue à force. Et je voudrais disparaître, devenir une petite pelote bien serrée, dense et parfaitement ronde. J'aspirais un peu de repos et de légèreté. À quoi ressemble le vent et l'eau quand on fait la bête ? Quel est le goût du fruit quand on fait la bête ? Qu'est-ce qu'une blessure et qu'est-ce que la peur quand on se contente de faire la bête ? C'est quoi avoir froid et avoir chaud ? Mon mari m'a demandé pourquoi l'ours, et pas la cigogne, l'oiseau des îles, la girafe, la marmotte, le singe ou la loutre. Je n'ai pas su tout de suite quoi répondre et puis j'ai pensé que je t'avais choisi par élimination. Le singe est trop proche et les autres animaux sont trop lointains. Toi, tu es à la bonne distance. Et puis tu es beau, tu te tiens debout, tu n'as jamais froid et je suis très frileuse. D'ailleurs, regarde, les feuilles ont jauni depuis longtemps, sont même tombées, ont été balayées. À cette époque de l'année, tu devrais hiberner, tu devrais être retranché dans une grotte à attendre le printemps. Mon mari m'a répondu que souvent les hommes veulent échapper à leurs conditions, mais qu'ils choisissent alors d'être un oiseau. Que les hommes qui veulent être autre chose que ce qu'ils sont veulent voler. Certainement pas se métamorphoser en ours pâteau et lourd. Mais moi je voudrais qu'on me greffe ta redoutable mâchoire, avoir un corps solennel de plusieurs tonnes et courir vite, me baigner sous une cascade, grimper aux arbres, être une créature parmi les créatures. Toi l'ours, tu es tout ce que nous avons abandonné. Tu es notre parent perdu dans les plis des siècles. Nous ne sommes que ta version détériorée et ton ultime descendance. Tu es une preuve.
la preuve que nous sommes nés du bois, de l'eau, des lacs et du lichen. Vous les bêtes, vous avez ouvert la voie, amorcé la pompe à vie, de vos cuits et de vos gosiers, et sorti la boue sur laquelle nous avons prospéré. Et quelle folie d'avoir été engendré par de telles créatures. Je l'écoute, abasourdie, sans rien dire, sans bouger, mais elle sait que je l'écoute. Elle ajoute, maintenant, je vais descendre te voir de plus près, d'accord ? Et alors qu'il est encore tôt, que le zoo est désert, hors de la vue des gardiens, elle enjambe la rambarde. Se place dos à moi, son corps plaqué contre la paroi rocheuse, se laisse glisser, freine sa chute en s'agrippant aux branches fichées dans le mur. Elle s'écorche les mains, les genoux, déchire le bas de son manteau et atterrit dans la fosse à quatre pattes. Elle se redresse, pivote et me fait maintenant face. Je dois avoir l'air immense, je dis si. Une dizaine de mètres nous séparent. Je tends une patte vers elle en signe de sympathie, je pousse un grognement qui sort bizarrement de ma gueule comme un croassement. Je ne reconnais pas ma voix. Je suis troublé. Je suis heureux de revoir une femme d'aussi près. Je respire son odeur de lilas et de graillon, les effluves de sueur que lui a coûté sa descente périlleuse dans la fosse. Elle s'avance maintenant avec précaution, en répétant « ours, ours » d'une voix basse, pleine de compassion. C'est comme une prière, ses deux bras tendus vers moi. Un pas après l'autre, elle suspend sa progression, guette à chaque instant ma réaction. Je me suis assis, me suis laissé tomber comme un gros sac velu, mon regard sans teint rivé sur l'inconnu du zoo. J'espère l'impressionner, la toucher. 2 mètres entre nous désormais, moi assis, elle debout. Nous faisons ainsi sensiblement la même taille au fond de ce trou. Et rien ne vient perturber ce moment, ni gardien, ni visiteur, ni bruit, ni vent. Elle annonce encore « ours, ours ». Elle ne dit plus rien d'autre. On s'envisage, on s'épie, on se renifle à distance. Je la sens confuse, son cœur qui s'emballe et le mien qui enfle, tendu, prêt à éclater. Je vois une larme se former sur le bord inférieur de sa paupière. Une larme, l'impassibilité, le silence, tout ce qui peut arriver de mieux entre une femme et un ours. Cela dure ainsi peut-être 1 heure. Elle toujours debout, moi toujours assis, un temps immense, ponctué de minuscules événements. Sa toux, ses battements de cils, un souffle d'air qui parcourt en ombre ma fourrure et soulève une mèche de ses cheveux, des frissons sur sa peau, l'électricité statique dans mes poils. Elle se gratte le bras, la nuque. Je lève le museau vers le ciel, puis reviens sur elle. J'expire fort, elle inspire mon odeur humide, rance et pimentée, l'odeur de la bête passée au filtre de la captivité. Elle tente de fixer sa respiration sur la mienne, à la fois haletante et hésitante. Elle épouse mon souffle chaud et liquide, s'ajuste sur mon rythme saccadé comme on prendrait la mesure d'un refrain, communiant dans la respiration du même air, une mélodie cardiaque partagée. Elle ne viendra pas s'enrouler dans mes bras. Elle tente seulement de se caler sur moi, entendre, sentir, attendre, capter. We'll be right back.
d'habitude, elle est venue tard, juste avant la fermeture. A dû échapper à la ronde des gardiens en se couchant dans une des profondes tranchées qui séparent les animaux du public. A dû attendre que s'élève la mélodie nocturne des bêtes, enchantée et paralysée de longues minutes. A attendu que la lune soit bien haute, que la rumeur de la ville se soit tue, que les faisceaux des lampes torches aient disparu, que le froid la saisisse. Elle a rampé avec précaution hors de la tranchée et rejoint la fosse aux ours cassée en deux à hauteur de félin. À nouveau, elle descend le long de la paroi et c'est sur mes quatre pattes que je l'attends ce soir-là. Mes yeux phosphorescents dans l'obscurité, deux billes d'uranium braquées sur elle. Ours, ours, à nouveau l'incantation. Elle se laisse tomber sur les genoux comme pour s'abîmer dans la prière. Je me redresse, m'approche, soignant ma démarche chaloupée. Elle ferme les yeux, baisse la tête. Je me place à nouveau sur quatre pattes. De mon museau, je viens fouiller sa chevelure sombre pour humer son odeur. Shampoing à la vanille, suave et artificielle, crème aux algues, effluves de mouton, transpiration évaporée, haleine fumée, émanation de moisissures et de sperme séché, fumée marin et de cave, trace aigre. Je lèche maintenant les cheveux de la femme, qui se colle par poignées sur ma muqueuse rêche. Elle ne bronche pas, n'a pas peur, n'attendait que ça. Je sens ma langue élastique et musclée exercer sur sa tête une poussée formidable. Elle manque plusieurs fois de perdre l'équilibre. D'un coup bien appuyé de cette langue, je pourrais la décapiter. Une salive épaisse coule de ma gueule et sur le visage de la femme qui à son tour lèche, avale chaque goutte amère qui vient s'échouer à la commission de ses lèvres. Secouée d'un hoquet, elle prend sur elle pour ne pas vomir. J'imagine dans sa bouche humaine un goût de terreau et d'urine. Sous ma langue, cette femme est une bête délicate. Ses cheveux fins et noirs, sa silhouette longiligne et haute, son nez busqué, peut-être une grue cendrée ou un cariama huppé, un échassier certainement. Pourtant c'est moi qu'elle a choisi. L'animal sans grâce, l'ours épais et massif. Je m'abandonne à cette douce certitude d'être l'élu. Je retrouve un peu d'espoir, un sentiment de plénitude. Joie aussitôt interrompue par un cri strident qui me sort brutalement de l'ivresse, me ramène à la conscience douloureuse et aveuglante de la situation. C'est la longue plainte aiguë du rhinocéros qui taillade la nuit. Je me retire, d'un tel bond que le plancher rocheux vibre. Je comprends soudain mon audace, l'outrance de mon geste. J'ai léché, j'ai osé flairer cette femme, je me suis approché bien trop près, et la violence du remords me lacère le cœur. Je me recule de plusieurs mètres, tête basse, coupable, ma grosse tête plate sur laquelle je voudrais pourtant qu'elle dépose sa main. Je m'ébroue, je grommelle pour qu'elle m'excuse ou qu'elle fuit ou qu'elle oublie. Je fais plusieurs tours sur moi-même, je voudrais qu'elle parte. Je me couche sur le flanc pour la décourager. Mais la femme s'est redressée. Dans l'obscurité, nous ne sommes plus que des ombres, des masses noires qui déplacent l'air. Elle s'approche. Ours, ours, tu me reconnais ? Elle s'assoit en tailleur à mes côtés, pose le dos de sa main entre mes deux oreilles, sa main si blanche, son empelage si sombre. Puis malgré le froid qui perfore, elle ôte manteau et veste, remonte une manche de sa chemise jusqu'au coude et fait pivoter son bras sous mon œil de manière à me présenter sa face interne, sa peau crayeuse veinée de bleu. De son autre main, elle sort de la poche arrière de son pantalon une petite lampe torche qu'elle allume et braque sur son avant-bras, créant un orifice de lumière jaune et tremblé dans les ténèbres du zoo. Regarde. À équidistance de la saignée du coude et de la base de la paume, une image apparaît. Brûlure pigmentée, portrait flottant, un camé de la taille d'une grosse médaille. Mon visage, le visage de l'ours tatoué. J'approche mon museau, je viens coller mes yeux sur cette apparition, tandis que la femme éclaire le dessin de plus près. C'est un tatouage à l'encre brune, aux teintes délicates, aux traits fins et sans hésitation. Ma face si bien dessinée, si bien transférée, qu'il semble que ce bras est un miroir. Regarde. Combien de temps a passé ? Nous sommes l'un et l'autre prostrés, la femme transie n'ose plus un mouvement. Je respire bruyamment, accablé, défait. Je tente de me calmer, de faire décélérer mon ardeur, de vider mon sexe de tout afflux sanguin et mon nez de tout parfum humain. Elle chuchote « ours, ours » d'une voix si faible désormais qu'on la confond avec les pas d'une mésange. Mais je reste en réaction comme mort. Je veux la dissuader, je veux qu'elle renonce, qu'elle me laisse.
Un passerie commence à chanter. Le premier gardien arrivera bientôt. Puis les soigneurs, les jardiniers, les vétérinaires, l'entreprise de ramassage du purin, le livreur de fruits, les visiteurs. Il faut qu'elle parte. J'ouvre un œil, la regarde en coin. Avec précaution, décomposant chacun de ses mouvements, dépliant son corps, dégrippant ses articulations une par une, je la vois qui se redresse. Baisse la manche de sa chemise, enfile veste et manteau avec prudence, se glisse jusqu'à la paroi, escalade une dernière fois, se blessant la jambe alors que ses pieds ne cessent de se dérober dans l'ascension. Enfin, elle disparaît de ma vue. Du fond de mon trou, je lève douloureusement la tête vers le ciel d'un bleu acide maintenant. Une brise glacée vient s'enrouler dans la fosse, un air neuf qui efface les dernières traces de la nuit. Alors la fatigue à nouveau me cloue au sol. Je roule sur le dos, ma fourrure aimante le béton. J'inspire, mais mon souffle est sans force. Ma vision s'étrécit, se pique de points lumineux, puis une langueur profonde, irréversible, contamine chaque parcelle de mon corps. C'est une chute noire, feutrée et silencieuse, une atonie progressive de tous mes organes. Le paysage autour s'étire et se couvre de givre, tout se dilate et ralentit. Les sons meurent avant d'avoir atteint mes tympans qui frémissent à peine. Mon corps pèse au fond de la fosse, l'obscurité me recouvre. Je m'endors, je m'effrite, cette fois j'abandonne. Merci beaucoup. Alors, merci d'être venus si nombreux, si jeunes. Merci à Laurent Roudillon, sans qui tout ça n'aurait pas eu lieu. Évidemment, à Nogus et Olivier, à la technique, et puis à cette salle qui nous a accueillis pendant 2 jours pour travailler. Merci beaucoup. Bien entendu, on va aller boire des coups. On va se voir à côté, là, au bar.